de l'association Osmoson a vu le jour grâce à une volonté de partage autour des arts. Art au sens large du terme. Art de la peinture, de la sculpture, art culinaire, partant du principe que cette richesse offerte au public permettrait à chacun de s'emparer de l'émotion qui lui est propre. Osmoson est né de l'impulsion de 4 membres fondateurs, puis rapidement s'est enrichi de centaines de participants, en accord avec le fameux proverbe « Seuls nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin ». Du 12 au 17 juin 2017 a eu lieu une exposition Osmoson au sein de l'espace AXAC, place des Comtes du Maine au Mans. Plus de 60 talents artistiques ont ainsi pu s'exprimer pendant une semaine en plein cœur du centre-ville du Mans, et ce, pendant la course mythique des 24 heures automobiles. Durant cette exposition, les artistes et créateurs ont généreusement porté les valeurs Osmoson en partageant leur savoir-faire par l'exposition de leurs œuvres, certes, mais aussi et surtout par des démonstrations, voire des interviews. 4 salles s'offraient à nous. Une salle de démonstration, avec des rencontres programmées sur toute la semaine, une salle d'exposition participative et 2 espaces créatifs. Le public, lui, était de tout âge et de toute nationalité. Il pouvait même bénéficier d'une visite commentée du site afin d'en explorer chaque recoin. Des 2 espaces créatifs de l'exposition a accueilli notamment 3 classes de l'école Garnier-Pagès pour participer à la création d'un triptyque sur le thème du critérium du jeune conducteur. En effet, pendant plus d'un mois, ces 90 enfants ont œuvré avec Hélène Camus, artiste peintre, en réalisant chacun un tableau personnel, ensuite intégré à l'œuvre d'Hélène. Les enfants ont travaillé sous l'inspiration de 3 courants artistiques différents afin d'intégrer le projet au sein d'une démarche pédagogique riche de sens. Il est important de souligner que nous n'aurions pu réaliser ce projet sans Hélène, sans l'école Garnier-Pagès, sa directrice Patricia Demas et son équipe si bienveillante, sans oublier Thierry Collot, directeur général de Collart Le Frambourgeois, qui a mis tout en œuvre, même l'inimaginable, pour que le projet puisse voir le jour avec émotion. Nous avons eu d'ailleurs le grand plaisir de remettre un des tableaux à Thierry Collot et un à l'école Garnier-Pagès. Sur le circuit parce qu'on a un thème qui est le critérium du jeune conducteur. Donc là ici on retrouve le circuit Bugatti, ici on retrouve le circuit Alain Prost et ça raconte une petite histoire d'une course bien sûr avec les spectateurs qui regardent. Là on revoit bien dans les dessins des enfants le graphisme de Juan Miró avec aussi les étoiles, la lune et tout autour donc là qui encadre ce volet du triptyque. Ce sont les petites toiles de 10 par 10 qui ont été réalisées par les élèves. Sur ce volet du triptyque, donc inspiration, pop art, Andy Warhol, en classe on a étudié les Marilyn notamment. Donc on est parti sur des carrés, des couleurs vives. Et Andy Warhol, donc il travaillait sur les portraits. Donc nous on a les portraits des petites filles, les portraits des petits garçons qui font le critérium et qui ont fait les peintures. Et sur les voitures et les panneaux de signalisation, le pop art travaille sur les objets du quotidien. Donc nous, les objets du quotidien, bah, c'était les panneaux de signalisation pour être dans le thème. Le troisième volet de ce triptyque sur lequel nous avons travaillé ce matin avec vous, l'inspiration était Delaunay.
Sonia et Robert Delaunay qui travaillaient beaucoup avec ce motif géométrique du cercle. J'ai très très envie de vous applaudir, vous avez fait un magnifique travail. Attendez, ce n'est pas fini. Pendant toute cette semaine d'exposition au Smoson, plus de 60 talents ont pu s'exprimer. Je vous propose maintenant de les découvrir. Il n'y a pas d'ail ni d'échalote. Dans le yaourt? Non. Normalement, non. Mais là, oui. Et hop, on va mettre. Ça sent bon. Oui, c'est du coup. Il y avait de la crème. On prend des yaourts liquides, donc un brassé par exemple. Ou alors il y en a peut-être qui connaissent aussi les yaourts à la grecque. Oui, moi je connais, j'en ai. Moi j'ai bon. Oui, c'est trop bon, moi j'en ai mangé hier. Les yaourts à la grecque avec fruits de passion, c'est trop bon. Ouais, mais sauf que là si tu mets fruits de passion avec, ça va pas être super bon avec le clou. Ouais. Oh, oh, j'adore. Alors ça du coup, un petit peu. On en met un peu comme ça, vous avez vu ? Moi j'ai l'eau à la bouche. T'as l'eau à la bouche. Oui, j'ai pas le pain. Ah, ça sent trop bon. J'ai du truc. Bah ouais, là, je pensais que vous étiez là juste. Ouais, moi aussi. Je fabrique depuis un certain nombre d'années avec ou mon équipe ou des artistes des miniatures automobiles, des figurines, des petits stands, des petits accessoires qui tournent autour des 24 heures du Mans. Vous connaissez tous les 24 heures du Mans ? Oui. Vous êtes déjà allé aux 24 heures du Mans ? Oui. J'ai même rien à expliquer. Même pas marrant. Eh bien, je fais des véhicules qui ont couru en miniature, des véhicules qui ont participé à ces 24 heures du Mans. Un des plus anciens qui est ici de 1939 et un des plus récents que j'ai là, une Audi des années 2010. Tous ces modèles-là sont faits au départ à la main, de plus en plus maintenant à l'ordinateur, mais en majorité à la main, à partir de plans ou de photos ou d'éléments que je récupère sur des vraies voitures. Ensuite, j'adapte toutes ces petites pièces-là. La voiture que vous voyez là, en réalité, est composée de tous ces éléments-là. Il y a les roues, le châssis. Il y a un petit moteur électrique qui va lui permettre de rouler sur un circuit. Vous avez toutes les la partie qui est utilisée où est assis le pilote. Et puis sa décoration qu'on appelle décalcomanie, l'on va venir appliquer dessus pour lui dire, pour montrer le numéro, la marque, les sponsors, plein de choses. Catherine, voilà. Elle travaille la pâte polymère. Je me permets, Catherine, vas-y, de vas-y, montrer. Vas-y. Donc ce sont ces petits carrés-là. Est-ce que certains ont travaillé ça à la maison ? Oui ! Oui, hein ? Donc, vous voyez toutes les couleurs qu'elle a ? Ouais. Et avec toute cette petite pâte-là, vous voyez, qu'elle travaille un petit peu comme de la pâte à modeler, mais c'est beaucoup plus dur à travailler, eh bien, elle arrive à réaliser des formes et des bijoux, par exemple, des cadres comme ça. Vous voyez ? Alors, Catherine, elle peut peut-être nous expliquer un petit peu comment elle fait tout ça. Alors là, par exemple, aujourd'hui, je vais travailler la technique du silk screen. Oh. Voilà. Alors, il y a beaucoup de termes anglais, hein, de toute façon, en fait, polymère. Alors, c'est de la sérigraphie sur fimo. Alors, c'est quoi la sérigraphie ? Eh bien, c'est à l'aide de petits pochoirs. Alors, c'est pas moi qui les ai faits, hein, ceux-là. Donc, voilà, j'ai plein de petits motifs différents.
Et je vais appliquer sur mon support de fimo, de pâte polymère, ce petit pochoir-là. Et par-dessus, je vais venir mettre de la peinture acrylique. Je vais l'étaler sur le pochoir qui sera sur la fimo. Je vais l'enlever et après, ça va donc me mettre le dessin que je veux avec la couleur que j'ai choisie sur ma fimo. Et après, je laisse un petit peu sécher et j'aurai plus qu'à faire à l'aide des petites emporte-pièces, parce qu'il y a plein de petites emporte-pièces là-bas. Vous savez ce que c'est qu'un emporte-pièce? Voilà. Et après, ben voilà ce qu'on peut réaliser comme petit bijou. Et puis après, il faut poncer, il faut polir. Et après, on peut vernir ou on peut mettre de la résine comme je fais là. Et après, il faut faire le montage, il faut percer, il faut mettre des perles, des cordons. L'art se faufile magnifiquement au cœur de l'artisanat et ce, dès l'apprentissage. L'exposition a pu accueillir cette voie d'excellence avec notamment le CFA Urmassart Chambre des Métiers, représenté par Louise Fourmont, pour réaliser des démonstrations. Est-ce que vous avez une idée un petit peu? 180. 180, très bien. Et très bien, du premier coup. Et avant, j'ai pas fort. Et avant, mais quand on parle de sucre, ils sont forts. Oh. Et quand on veut s'arrêter avant le caramel, mais on veut qu'il durcisse, on est à 200. Un petit peu avant. 190. 152. Très bien. Le 2 est très important. Et c'est vrai qu'en pâtisserie, on baisse tout. L'exposition a eu la chance d'accueillir des séances dédicaces de dessinateurs et illustrateurs, avec la talentueuse Sylvie Delcroix, qui nous a comblé par ses croquis et l'expression de son personnage Esther, qui ne manque jamais d'avoir un œil savoureux sur notre quotidien. Hubert Poirot-Bourdin nous a honoré de sa présence, représentant les 24 heures du Mans s'affiche et son association Les Volatiles. Le public a ainsi pu librement approcher ses talents et repartir avec de précieux souvenirs. Nous ne pouvions envisager une exposition d'artisanat d'art en Sarthe sans convier le savoir-faire de Malicorne. Toute la semaine, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir de grands talents de Malicorne et plus particulièrement Laurence Mazra, peintre sur porcelaine, donnant naissance à des modèles uniques et colorés. Patricia Notario, peintre sur céramique reconnue. Patricia ne vous en parlera certainement pas, mais sachez que cet artiste fait partie des 5 meilleurs peintres sur céramique de France. Nous avons également accueilli Florence Poussin, alias Marguerite Rossignol, auteure de livres expliquant l'artisanat d'art aux enfants.
Ray Toombs a également présenté ses œuvres, ainsi que Philippe Huomé, sculpteur sur bois. Plusieurs précieux bénévoles ont également magnifiquement œuvré, avec notamment Dominique Bourneuf et toute une équipe qui œuvre quotidiennement en faveur de Malicorne, de son moulin et du rayonnement sartois. Parce que nos talents sartois ne s'arrêtent pas là, nous avons accueilli les élèves du CFA de la coiffure du Mans, dirigé par Manuela Rasselet, les élèves étant magnifiquement guidés par Séverine Papin, référente internationale Paul Mitchell. En ce qui concerne le maquillage des magnifiques modèles sélectionnés aux côtés de Séverine Papin, c'est le savoir-faire make-up de David Esnoquin, formateur au CFA de la coiffure du Mans, qui s'est exprimé. Et devinez qui a habillé nos mariés pour le défilé de mode présenté le mercredi 14 juin ? Eh bien, c'est notre talentueuse Hélène Lajoigny et ses doigts de fée qui ont très adroitement œuvré. Et pour mettre en valeur le site et nos mariés, nous avons été accompagnés par les somptueuses créations florales de Laetitia Pommier de Fleur & Co. Dreaming at the back of the collapse, squalling up.
pense qu'on peut vraiment leur faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et pour le lancer de bouquet de mariée, attention, 5, 4, 3, 2, 1, vive les mariés! Oui! Bravo madame et plein de bonheur à tous! Après l'art de la haute couture et de la coiffure, c'est l'art musical que nous avons accueilli avec l'école de chant de la communauté de communes de Changé et l'école Garnier-Pagès. Je fais démarrer les filles et à mon clin d'œil, c'est vous faites la même chose, ok? Le samedi 16 juin, nous avons réalisé un atelier empreinte. Plusieurs enfants, mamans et papas ont été invités à assister et à participer à la réalisation de socles présentant l'empreinte en relief des enfants tenant une carte réalisée par leurs soins. Il a donc fallu prendre le gabarit des jolies menottes, préparer notre pâte hypoallergénique, tremper notre main, préparer notre matière de tirage, sans parler de notre vaisselle qu'il a bien fallu laver. Après avoir laissé sécher, nous avons pu démouler le trésor et découvrir chaque aspect de ces précieuses marques du temps que nous conserverons à tout jamais. Nous avons poursuivi notre aventure au cœur des sens avec l'œnologue Franck Bernard. Comme de fins connaisseurs, nous avons dû jouer aux devinettes en faisant confiance à notre nez pour reconnaître des arômes. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, hein. Ouais, ça sent. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se dire, si vous avez un doute, si vous ne l'avez pas encore trouvé, dire, est-ce que c'est des fruits? Est-ce que c'est des épices? Est-ce que c'est des légumes, par exemple? Ça peut arriver, hein, dans le vin, de temps en temps, il y a des arômes de poivre. D'accord. Et puis ensuite, une fois que, si vous avez déterminé que c'est un fruit, eh bien, là, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est un fruit rouge, un fruit jaune, un fruit exotique, d'accord? Alors, fruit noir pour toi? Hein, à votre avis, alors? Fruit noir? Alors déjà, est-ce que tout le monde est d'accord pour le fruit? Ou est-ce que quelqu'un pense que c'est un légume ou autre chose? Oui, c'est bien fruit noir. Tout le monde pense que c'est un fruit? Super. C'est un fruit, donc déjà, ça, c'est bien. La couleur. Et alors ensuite? Jaune. Fruit noir. Jaune. Ouais, tout le monde est fruit noir.
Mais vous êtes extraordinaire. C'est un fruit noir, je vous le confirme. C'est très très bien. Alors maintenant, on en a plus que 4 possibilités. Là, j'ai mis le pruneau, la myrtille, la mûre ou le cassis. Alors, à votre avis, les enfants, qu'est-ce que ça peut être? T'as jamais senti le cassis? La mûre. Et alors j'ai une mûre à ma gauche. Mûre aussi. Cassis. J'ai beaucoup de cassis, j'ai l'impression. Hein. On dévoile la bonne réponse. La mûre. C'était la mûre. Bien joué. Super. Et vous êtes fort parce que vous êtes tous partis tout de suite sur les fruits noirs et tout. Vous avez un très très bon nez. Hein. Ah, vous êtes quelle classe alors? CP. Un pirate des Caraïbes. Génial. Vous savez comment moi je m'appelle? Non. On vous a pas dit? Vous connaissez les devinettes? Vous aimez les devinettes? Oui. Bon, on va voir si vous trouvez mon nom. Alors, je suis... Enfin non, je suis... Mon nom, c'est un animal de fer. Vous connaissez les animaux de la ferme? Oui. Oui. Deuxième indice, mes petits-enfants sont des poussins. Poules. Poules. Presque. Un poulet. Presque. Un coq. Ah, bravo! Ouais, je m'appelle Coq. C'est facile à retenir, non? Alors, vous savez ce que je fais, moi? Non. Alors, moi, je fais de la sculpture sur fruits et légumes. Ah, et, vous savez qui a inventé l'école? Quoi? Vous savez qui a inventé l'école? Non. C'était un roi. Oui. Il s'appelait Charlemagne. Charlemagne? Ah, je connais Charlemagne. Tu connais Charlemagne? Tu connais Charlemagne? Oui. Ah, ben. Moi aussi. Ouais. Eh bien, la sculpture sur fruits, c'est un roi et une princesse qui ont inventé ça. Vous voulez que je vous raconte cette histoire? Non. Oui. Ah. Alors, il était une fois un roi qui cherchait une princesse. N'en trouvant pas, il envoyait un message dans tout le village de Le Mans pour inviter toutes les petites princesses. Qu'est-ce qui se passa alors? D'après vous? Oui. Le roi a la première princesse. Ah ouais, ça c'est clair. C'est vrai. Alors, il y en avait une plus maligne que les autres. Parce qu'elle fit de la sculpture sur fruits. Elle lui prépara un joli petit plat de frites en fleurs, en oiseaux et en papillons. Le gourmand roi, il a été ravi et il tomba amoureux. Et depuis, il a dit, toutes les filles, petites filles, dès le CM2, allaient apprendre cela à l'école. Vous ne pensez pas qu'il manque un peu de lumière, non? Attendez, on va mettre un peu de lumière parce que je ne vous vois pas tous. Vous savez avec quoi on dessine en cuisine? Je vais vous montrer, regardez. Vous savez ce que c'est? Oui, des cuillères. Des cuillères. On appelle, cela des cuillères à plumes. Hein? Des cuillères à plumes, c'est fait pour dessiner et écrire en faisant la cuisine. J'imagine que maman te fasse un plat de spaghettis et puis elle te dessine un joli petit oiseau avec du ketchup. Alors, finissons rapidement notre petite fleur. Alors, on veut lui donner 3 couleurs. Du jaune. Vous savez compter? Oui. Combien de gouttes on va mettre 3. Alors 3. Ok. Vous comptez avec moi? Attendez, bande de tricheurs. 1, 2, 3, 4. Non. Ah, ben alors, on a dit 3. On va faire le verbe alors. Oui. Après tout, couleurs. Hop là. 6. Allez, 6. Non. 7. Ouh. Ah ben là, il y en a plus que 6, je pense. Il y en avait 3. Il y en avait 3 d'un coup. Alors, on va commencer avec le rouge. Comme ça. On va en mettre 1 sur les pétales. C'est comment? Cette semaine d'exposition a été riche, comme vous avez pu le constater. Le mardi 13 juin, nous avons vécu un vernissage hors du commun, mariant l'art musical lyrique, l'art musical contemporain, sans oublier une vente aux enchères. En effet,
Plutôt qu'un droit de place, nous avons demandé aux exposants un élan de générosité par les démonstrations, les témoignages, mais aussi, pour ceux qui le souhaitaient, le don d'une de leurs propres œuvres qui, vendue aux enchères, favoriserait les plus démunis. Ce n'est pas une, mais 38 œuvres qui ont ainsi été collectées. Au cours de la même soirée, nous avons également bénéficié de la grande générosité musicale de Nathalie Sigaud, Ulrich Haller, Diana Higby, Nathalie Martin, Clémence Gollon et celle de Michael Chapeau. Au-delà de leur beauté artistique, c'est bénévolement qu'ils ont tenu à participer à l'événement. C'est suite à ce magnifique élan musical que la vente aux enchères, orchestrée par maître Rémi Gauthier et Fanny Boutard, put commencer. Alors on va débuter cette vente avec le numéro 1, donc je remercie aussi Joël qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et donc c'est une œuvre donc, d'après l'œuvre originale de François Bruère, preneur ici en face de moi,
4, 5, 5 euros nous sommes, 6, 7, 8 derrière. Oh, c'est du 27, non, pas au-delà de 27 euros, je vais être jugé à ce moment-là. Une fois, 27 euros, 28, un regret, elle vous échappe, 28 c'est monsieur. 29, 30 par vous, je vais être jugé, 32 euros, deux fois c'est terminé, pas au-delà. 33, 34, 35, 36, 37, une fois, 42, deux fois, c'est vu, pas de regret. Alors, adjugé. Cette vente aux enchères a permis de vendre la totalité des œuvres au profit des Restos du Cœur. Et le chèque a été offert lors d'une remise officielle dans les locaux de l'AXAC. Et ce soir, nous avons le grand bonheur de pouvoir remettre un chèque de 4200 euros au Resto du Cœur. Ce chèque qui représente pour nous non seulement la mobilisation pour la visibilité de l'art au sens large du terme, mais que ces actions ne s'arrêtent pas. Angèle et Benoît, vous venez. Clémence, Anaïs, Léa. C'est gentil. Voilà. Je vois pas tout le monde. Venez, venez. Moi, je vois pas tout le monde. Vous faites en deux fois. Mais déjà, ceux qui restent assis, on peut les applaudir très fort. Et même nous. Bravo, parce que les... Jean-Paul. Au niveau des Restos du Cœur, d'abord, je tiens à excuser notre président. Il est hospitalisé, oui. Vous le savez peut-être. Oui, 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 déjà, tout à fait. Mais il va bien, je vous rassure. Très bien. Donc moi je remercie tout le monde, je remercie vous, les organisateurs, les artistes. Je ne sais pas si on les appelle comme ça. Les artistes. Oui, oui, oui. Je n'ai pas fait faire des discours, hein. Ça vient comme ça. Cette somme, naturellement, va nous permettre d'offrir des repas aux bénéficiaires. Il faut compter environ 1 euro ouais. Le repas, un repas complet. Donc ça va faire, c'est facile à calculer, ouais. 4200 repas que l'on pourra refaire aux bénéficiaires.